L'art-thérapie, c'est une approche qui utilise principalement l'art pour s'exprimer. Et là, j'entends l'art plastique. Alors, de la peinture, de la sculpture, du collage, différents médiums pour aider la personne à s'exprimer. Bonjour, mon nom est Sylvie. Je fais partie de l'atelier d'art de la rue des Femmes. J'ai habité ici pendant 3 ans. Donc, j'ai fréquenté aussi l'art-thérapie, sauf que je venais ici, mais comme in and out, c'était pas, parce que j'avais pas de talent vraiment là-dedans. Puis par la suite, Jasmine est rentrée, puis là, c'était plus intéressant pour moi, parce qu'elle me faisait découvrir vraiment ce que j'avais en dedans, puis c'est ça. Je pense que c'est celui parce qu'elle veut être dans marde. Je pense que celle-là, là, elle veut être dans marde. Elle veut bien être dans marde. Ça, là, quand elle a travaillé, ça, je l'ai entendu souvent. Puis moi, je leur dis, ben regardez avec des yeux rayon X à la place. Mettez vos lunettes rayon X, puis allez voir en dedans qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, que ce soit un homme, une femme, un ado, whatever, mais allez voir en dedans avant de juger quoi que ce soit. Ces femmes-là ne demanderaient pas mieux que d'être utiles, que de servir, que de faire quelque chose. Puis ici, là, je le sens, je le vois, je l'entends tous les jours. Là, je peux-tu laver ici, puis je peux-tu faire ça? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ben, je pense que vous le faites déjà, vous êtes en train de le faire. C'est dans, justement, d'aller voir qu'est-ce qu'on vit, qui on est, et de ne pas avoir peur. Donc, en faisant ce que vous faites là, en ne les jugeant pas, en fonçant, puis d'aller porter aussi nos voix. Come home, so, so, so blue.